Allez, salut et bienvenue à tous. Cette fois-ci, il s'agit d'un numéro un peu particulier. En période hivernale, il n'y a pas de vide-grenier. Les braderies se font rares. J'ai donc trouvé un film ainsi que 4 vinyles pour des prix tout à fait corrects. On va commencer par le film. C'est un classique. Je conseille ce film à tout le monde. C'est Le Roi et l'Oiseau de Paul Grimaud et Jacques Prévert. Et puis là, il s'agit d'une version restaurée, image et son, avec en bonus les courts-métrages précédents réunis en un seul film du réalisateur Paul Grimaud. Ensuite, on attaque donc avec les vinyles. D'abord avec celui de Basia, Time and Time. Alors à l'écoute, il s'agit d'un mélange un peu improbable entre, je sais pas moi, du Ryuichi Sakamoto par exemple, le type années 80, et puis les Hurlies de Madonna. Donc c'est assez agréable à écouter, même si c'est très marqué par l'époque, notamment les sons de basse et au synthé. Ensuite, Ike Yatzang, The Night. Alors là, il s'agit d'un maxi, 45 tours, un seul morceau, reproduit en deux mix, un original et un club. Mais là, on est vraiment entre la Artech et l'Eurodance, hein, avec quand même un refrain un peu plus exploitable. Donc moi, je possède déjà par exemple en maxi 45 un remix de 7 Seconds, de Yusundo et de Nechiri, inécoutable en vitesse normale, c'est-à-dire en 45 tours, et que j'écoute très régulièrement en 33 tours. Et je crois que ça va être le cas ici aussi. Ensuite, très content pour 1,50€ de faire rentrer cet album de Léo Ferré, mon troisième. Verlaine et Rimbaud chanté par Léo Ferré, dans une édition somptueuse en gatefold, double vinyle, un vinyle par consécration, et au milieu vous avez un booklet, donc avec le texte, pas tellement pour contextualiser l'écoute, pour vraiment prendre connaissance de la profession de foi que Léo Ferré livre ici. Ensuite, jeu de mots, attention, univers, univers. Bref, alors, c'est pas tant que je suis un grand fan de Michel Jonas, mais je voulais absolument cet album, et je l'ai trouvé pour la modique somme d'une pièce à 1€. Pourquoi ? Puisqu'il y a ce morceau que tout le monde connaît et que j'aime beaucoup, qui s'appelle La boîte de jazz. Et donc, ce compte-rendu ne serait pas fini s'il n'y avait pas eu cette trouvaille exceptionnelle, un jeu de société de l'éditeur Jumbo, que je ne connaissais pas, et qui s'appelle Movies Money. Je travaille depuis un certain moment moi-même à la conception d'un jeu de société basé sur l'univers du cinéma, et donc j'ai été tout naturellement attiré par ce jeu, que j'ai trouvé dans un marché de Noël, d'occasion. Je ne vous expliquerai pas les règles, puisque je n'y ai pas joué moi-même, mais il s'apparente davantage à un Monopoly, avec un plateau interactif, qu'à un jeu de cartes. Voilà, et c'est tout pour ce compte-rendu, et à bientôt pour un nouvel épisode de compte-rendu de Vite Grenier.